Bonjour, Mediha, ça va? Ça va bien. Très bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour, Isine. Vous m'écoutez, ma fille? Oui. D'accord. Bonjour Mohamed. Salam alaikum. Bonjour, ça va? Oui. Très bien. Alors, dans quelques minutes, on commence la séance. Donc, j'ai Mediha, Mohamed et Emna, oui ou non? Oui. Oui. D'accord. Alors, je vais commencer la séance. On va faire juste un petit rappel sur ce qu'on a vu durant le premier trimestre, d'accord? On va faire une petite révision. Ok, alors suivez-moi. Ah, d'accord. Une seconde. Allez les enfants, regardez bien l'écran. Tiki. Oui, Mediha. C'est Amélie. Très bien, c'est Amélie. D'accord. Alors, c'est une fille ou un garçon? C'est Amélie, c'est une fille. Amélie est une fille. Très bien. Elle a quel âge? Quel âge a-t-elle? 8 ans. Très bien. Elle a 8 ans. Bravo. D'accord. Et est-ce qu'Amélie est tunisienne ou bien française? Française. Amélie est française. D'accord. Donc, tu peux me lire ce message. Mais je m'en expose d'avoir là, Amélie. Très bien. Yatksaha. Tu peux me dire ce message? Emna. C'est bon, Mohamed?
Oui. D'accord. Donc, le microphone est activé. Donc, le microphone est activé. Le microphone est désactivé. Aussi bien. Caméra. D'accord? Voilà. Mouayed. Mouayed, bonjour. Mouayed, j'ai Bonjour, pas. papa, madame. Bonjour. Alors, ça, c'est Amélie. Qui peut me lire le message? Je connais, je m'y le message, il part sur là. Emna. Voici Amélie, c'est Amélie. Très bien, voici Amélie, c'est Non, Amélie, bravo. Je passe maintenant pour l'image suivante. Alors, Mohamed, c'est qui? Oui, Mohamed, oui. Je t'écoute. Mario. Donc, c'est Mario. D'accord. Est-ce que c'est une fille? Hein? Mario est une fille? Non, Non, c'est ce n'est une pas une fille. garçon. C'est un garçon. Très bien. Alors, est-ce qu'il habite à Tunis? Hein? Mario habite à Tunis? Non, habite italien. Habite italien? Est-ce que Mario habite à Italie? Très bien. Mario est italien, il habite à Paris. À Paris. Voilà, Paris, il se trouve en France. D'accord. Maintenant, Mouaïd, tu peux me lire le message? Voici. Voici Mario. Très bien, voici Mario. Après. C'est. Mario. Très bien, c'est Mario. Bravo. Maintenant, les enfants, regardez bien l'image. Où vont les enfants? Où va Amélie et Mario? Où ils vont? Emna. Dans la cour de l'école. Non, où ils vont? Où ils vont? Ils vont à l'école. Très bien, ils vont à l'école. Une seconde, s'il vous plaît, parce qu'il y a deux élèves qui sont arrivés maintenant. Bonjour, Youssef. Bonjour, madame. Ça va? Bonjour, Lina. Bonjour, madame. Est-ce que je peux vous voir? Est-ce que je peux te voir? Nejunara, voilà. Lisa, Dina. Oui. La caméra. Très bien, bonjour, ça va? Alors, regardez bien. Ça, c'est Tuna. École. Ça, c'est une école, très bien. Alors, Youssef, lis le message. Youssef, Oui. lis le message. Lis, Mata Akra, lis le message. Le message qui est sous l'image. Madame, maintenant Vois. je m'en voilà. Voici mon école, très bien. Ou bien. Voici mon école. C'est mon école. C'est mon école, très bien. Mehdi Hachpatli, qu'est-ce que tu m'as dit? Voilà mon école. Bien sûr, je peux dire voilà mon école. Bien sûr. Alors, maintenant, on passe. Regardez bien l'image. Que font les élèves? Que font les élèves? Mohamed. Les élèves jouent dans le cours de l'école. Les élèves jouent dans la cour de l'école. Bonjour, Anim. Ça va? Très bien. Les élèves jouent dans la cour de l'école. Eline, allume le message.
Lina, lis le message. Non, non, ouvre la caméra. Mais s'il vous plaît, ouvrez le micro. Je ne veux pas le micro, s'il vous plaît. Les élèves jouent dans la cour de l'école. Très bien, les élèves jouent dans la cour de l'école. Maintenant, Annie. C'est quoi? Alors, c'est qui, en fait? Rani, je t'écoute. J'ai pas entendu. Est-ce que c'est maman? Maîtresse. Voilà, c'est une maîtresse. Où se trouve la maîtresse? Non, non, Manis Maché, non, j'ai rien entendu. Rani, où se trouve la maîtresse? La maîtresse. D'accord. La maîtresse. Où se trouve? Voilà, la maîtresse est en classe. Elle est toute seule? Elle est toute seule, la maîtresse? La maîtresse. Et les élèves. Très bien, Emna. Donc, la maîtresse. La maîtresse et les élèves. D'accord. Dans la classe. Sont en classe. Bravo. La maîtresse et les élèves sont en classe. Prenez l'ardoise. L'ardoise. L'ardoise, l'ouha. Maman. Alors. Maman. Vous allez écrire le mot les élèves. Vous allez écrire sur l'ardoise le mot les élèves. À partir de ce message-là. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Vous allez chercher le mot les élèves dans ce message-là. Les élèves, allez, Youssef. Ça y est, vous avez terminé? Oui ou non? Madiha, ça y est? Madame, je m'entends. Madame? Oui? ما سمعتكش شنو قلت انا باش نكتبو في اللوحة. Demandé d'écrire le mot les élèves sur l'ardoise. À partir de ce message là, d'accord? Du tout le message est décalé موجود. Donc vous allez chercher le mot les élèves et vous allez l'écrire sur l'ardoise. Youssef, فهمتني ولا لا؟ Ben, écoutez bien. Sur l'écran, on a une image ou un message. Oui ou non? D'accord. Donc, j'ai demandé de chercher à partir de ce message-là, donc, tu dois chercher le mot les élèves. Les élèves. D'accord? D'accord. Voilà, très bien. Rani? Allez, ça y est, vous avez terminé? Lina, ça y est? Non? Allez? Ouvre le micro. Ouvre, hel le microphone. Mouaïd, hel le microphone. Est-ce que ça y est, vous avez terminé? 1, 2, 3, levez les ardoises. Oui. Allez, levez les ardoises maintenant, hein? Non. Bravo.
Bravo, Mohamed. À ne pas oublier d'écrire les déterminants et les mots, d'accord? Les élèves, les. Très bien. Bravo, Youssef. Madiha. Bravo, Mohamed. Très bien. Rani? Très bien. Bravo. Mouayette? Ça y est? Je passe. Bravo, Bonjour, Madiha. madame. Bonjour. Bonjour, Nour. Ça va? Oui. Très bien. Bonjour Fatma. Alors Nour, regarde bien l'écran. On a parlé sur cette image. On a dit que la maîtresse est en classe avec les élèves, oui ou non? Oui. Très bien. Alors, il y a un message. Il y a un message qui est écrit en rouge. Donc, j'ai demandé d'écrire ou bien de chercher le mot les élèves. Dites le message et quel autre maktoub. Oui. Alors, tu cherches le mot les élèves et tu l'écris sur l'ardoise. D'accord? Comment me fais-je? Qui a dit n'a pas compris? Je crois que Youssef, bravo. Voilà. J'ai demandé d'écrire le mot les élèves. Tu dois chercher le mot les élèves. How to finish en français? Parce que je n'ai pas le droit de parler en arabe. D'accord? Et tu as bien noté. Tu as bien noté. Yatik saha, Youssef. Allez, Mouaïd, ça y est, oui ou non? Nour. Hello? Oui, maîtresse. Ça y est, tu as écrit, tu as noté sur l'ardoise? Tu as écrit sur l'ardoise le mot les élèves, oui ou non? Non. Alors, prends ton ardoise. Bravo, bravo, Moaïd. Prends ton ardoise, allez vite. Bravo, bravo Rani. Très bien. Allez Lina. Lina, tu m'écoutes? Ça y est, tu as écrit le mot les élèves? Oui ou non? Oui. Alors montre-moi. Montre-moi, allez, montre-moi. Toi, Mohamed. Bravo, très bien. Emma, ça y est, tu as fini? Très bien. Voilà. On passe maintenant pour nous. Bravo, les élèves. Tu dois écrire le déterminant les, d'accord? Bravo les enfants. On passe maintenant. Regardez bien l'image. Allez, on doit accélérer un peu. Hein? Bravo, Youssef. Allez, maintenant. Nour, tu m'écoutes? Alors, regarde l'image, c'est quoi? Non, Nour, Oui. regarde l'image, c'est quoi? Une maison. C'est une maison. C'est la maison de qui? C'est ma maison? Une C'est une maison, mais c'est la maison de qui? Non, 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 on a l'Ijaba. Wahdak, Nour, non.
C'est la maison de qui? Non. Non, d'accord. Alors, Emna, c'est la maison de qui? Mm-hmm. Je t'écoute, Ibnti. C'est la maison de qui? Il y a Darm Tashkoun. La maison de qui? Amélie. Très bien, c'est la maison d'Amélie ou bien? Je connais un d'autres. La maison d'Amélie ou bien la maison de là? Et mes parents. Bruno. Maîtresse. Binour. La maison d'Abruno. La maison de Bruno. Bravo ou bien? Je connais un d'autres proposition autre. Medija, oui. La maison de la famille du prêtre. Très bien, c'est la maison de la famille du pré. Très bien. Allez, regardez bien l'image. Regardez bien l'image. Mohamed, Mohamed, tabay, je vous le dis. Mohamed, regardez bien l'image. Dans cette maison, il y a combien de fenêtres? Mohamed, il y a combien de fenêtres dans cette maison? 5. Bravo, 5. Et il y a combien de portes? 1. Une seule porte. Et en quelle couleur la porte? Jaune. Jaune, bravo, très bien. Alors, regardez bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a devant la maison? Devant la maison, qu'est-ce qu'il y a? Enfin. La chambre. La chambre, non, la chambre est dans la maison. Mais je vais poser ma question avec une autre façon. La maison est entourée par quoi? Nour. Le jardin. Voilà, autour de la maison, il y a un jardin. Oui ou non? Oui. Bravo. Et le jardin, il est comment? Il est grand ou bien petit? Petit. Petit? Oui. Donc, la maison, elle est grande ou bien petite? Petite. Grand. Bon, elle est grande. Elle est grande, oui. Petite. Oh, petite, mais elle est grande. OK. Alors, maintenant, regardez le message. Qui peut me lire cette phrase? Lina. Lis la phrase. Ma maison a une porte jaune et des fenêtres vertes. Très bien, bravo. Youssef, répète la phrase. Ma maison a une porte. A une porte et des fenêtre verte. À une porte jaune. À une porte jaune. D'accord? Et des fenêtres vertes. Oui. Très bien. Maintenant, on passe. Qu'est-ce qu'il y a dans le jardin? Madame, ma femme, je suis là. Mais pourquoi? Maintenant. Youssef, qu'est-ce qu'il y a dans le jardin? Amen, s'il vous plaît, pour la dernière fois, je connais ça avec le microphone. Je veux que la réponse soit individuelle. Je veux dire, même pas, j'accepte. D'accord? Allez, Youssef, qu'est-ce qu'il y a dans le jardin? Dans le jardin, doucement. Dans le jardin, il y a. Il y a. Des fleurs. Des fleurs. Des fleurs. Des fleurs.
Nour. Rouge et jaune. Rouge et jaune. Dans le jardin, il y a des fleurs rouges et jaunes. D'accord? Je connais j'ai mis une chose autre. Ranim. Qu'est-ce qu'il y a dans le jardin? Ranim, tu m'écoutes? Madame? Oui? كبيرة بس معناتها نقراها. نعم. هذا نشوف في تصويرتك أنت يا كهاب. كلكم تشوفوا في تصويرتي أنا ما كنتش قاعدين نشوفوا في التصويرة تاع لا ميزون داميلي. أنا نشوف في التصويرة تاع لا ميزون. شوفوا مدام شوفوا في التصويرة. دونك معناتها فما شكون عنده بروبليم. فيلي أنتم كلكم تراو فما شكون ما يراش دونك فما بروبليم. Allez, Lina, qu'est-ce qu'il y a dans le jardin? Dans le jardin, il y a des fleurs rouges et jaunes. Mm-hmm. Alors, des fleurs rouges, jaunes, oranges, roses. Donc, c'est-à-dire des fleurs qui deviennent de beaucoup de couleurs. Nour. Beaucoup. Beaucoup, bien. Et des arbres. Et des arbres, très bien. Il y a des arbres et il y a beaucoup de fleurs. Les fleurs ont beaucoup de couleurs. Donc, qu'est-ce que je dis? Nour. Des couleurs fleurs. Des couleurs fleurs, non. Hein? Je connais, j'y mets. Maîtresse et Redo, ma révision, le module, les fêtes, on va être à la fin de Qatar, le module 8. Et je sais bien le module 8, mais j'ai voulu, à la fin de la fin de la fin. Donc, deuxièmement, habit namlil comme une révision générale, ce qu'on a vu l'autre fois, ce qu'on a vu pour le premier trimestre. Et la prochaine fois, on va commencer le module 8. Quand on fait le module 8? Non. Voilà. Donc. On a fait le module 5. 5. On a fait le module 5. Module 5. Donc, femme le module 5 ou femme le module 8? Module 6. Voilà. Elle est module 8. Voilà, dites femme le farc, bien être bathcom, femme le 5, femme le 6, femme le 8. Très bien. Comme il te l'a amené là. Allez, les enfants, hein? Dans le jardin, il y a des fleurs multicolores. Hatoua fi marqoum el-kelma multicolore. Chmata multicolore, c'est-à-dire des fleurs qui portent beaucoup de couleurs. Fa'am choukoul, ena, au lieu de dire des fleurs rouges, jaunes, oranges, roses, je dis des fleurs multicolores. Femtou el-kelma multicolore, mouta'adidat el-elwen, multicolore. D'accord? Oui. La phrase dans le jardin, il y a des fleurs multicolores. Madiha. Madiha, je t'écoute. Il y a des fleurs multicolores. La couleur. Très bien. Mouayet. D'accord. Dans le jardin, Ayoudi. Mouaïd, dans le jardin, il y a des fleurs multicolores. Dans le jardin. 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 D'accord. Il y a. Il y a. Mm-hmm. Des fleurs multicolores. Des fleurs
Multicolore, très bien. Nour. Dans le jardin, il y a des fleurs multicolores. Bravo, Youssef. Oui. Dans le jardin. Dans le jardin. Il y a. Il y a. Des fleurs multicolores. Des fleurs. Multicolores. 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 Très bien, Lina. Dans le jardin, il y a des fleurs multicolores. Bravo, Mohamed. Dans mon jardin, il y a des fleurs. Des fleurs multicolores. Multicolores. Très bien, Ranim. Dans le jardin. Oui, bien sûr. Il y a des fleurs multicolores. Des fleurs. Multicolores, très bien. Emna. Dans le jardin, il y a. J'ai pas bien entendu, Emna. Dans le jardin, il y a des fleurs multicolores. Jardin, il y a des fleurs multicolores. Très bien, bravo. Alors, les enfants, prenez l'ardoise maintenant. L'ardoise. Alors, vous allez lire ce message-là. Vous allez lire ce message et vous allez chercher le mot « la maison ». Allez chercher le mot « la maison ». Madame, écrivez « la maison ». Oui, écrire. Oui, écrire le mot « la maison ». Ça y est, vous avez terminé? Oui, voilà. Allez, je compte de 1 jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Levez les ardoises. Levez les ardoises. Vite, vite, vite. Bravo, Noud. Bravo, Emna. Mediha. Madame, bravo, bravo Youssef, bravo Mohamed. Allez Lina, Mouayet, le mot de la maison, vite, vite. Très bien, bravo. Mediha, ça y est? Ranim, ça y est? Madame, comment? J'ai pas bien entendu, Chotli. Très bien, bravo. Maison, Lina. Maison, M-A-I. La maison. Et à ne pas oublier d'écrire le déterminant là. Tu dois écrire le mot, le déterminant là, d'accord? Allez, Saïs, tu as écrit? Oui. Alors, montre-moi, Waligny. Moi, j'ai demandé de ne pas fermer le microphone. Très bien. Montre-moi, Waligny, le mot la maison. Allez, Lina, tu as corrigé? Très bien. Bravo. Maintenant, les enfants, qui peut me lire ce message? Allez. Youssef, lis le message. Allez Youssef, je t'écoute. Bravo Rani, merci.
Madame, ah, ok. Narka, il mange de la chèche. Oui, oui, je t'écoute. Hein? Bravo, bravo, Lina. Oh. Ah, ok, non, non, autour, autour. Autour de la maison. Très bien. Et un. Il y a. Grand. Un grand. Un grand jardin. Très bien, bravo. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Qu'est-ce que je trouve dans la maison? Est-ce que je trouve une classe? Non. Non, jamais. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Proposition, hein? Nour, hein? Dans ma maison, il y a une cuisine et une salle de bain et un salon. Bravo, mais et donc dans ma maison, il y a une cuisine, une chambre et un salon. D'accord? Et dis-moi, tu t'amènes في اخر الكلمه اللي مشتق فيها, d'accord? Maintenant. صحاجه. مديحه. ماتخس نقصه حاجه. اي لا نقصه الا نعرف ما سمعتش لافيشاج. علي ان une chambre. Ah, pardon, pardon. Trois chambres, une salle de bain, un salon, et une cuisine. Très bien, bravo. Donc, dans ma maison, il y a... Ça, c'est quoi? Une chambre. Une chambre. Une chambre, très bien. Après. Et une cuisine. Une cuisine, bravo. Après, regardez bien l'écran. Un salon. J'ai entendu un ballon. Qui a dit un ballon? Un salon, bravo. Et une salle de bain. Très bien, une salle de bain. Et Mohamed. Bien sûr, oui. Maintenant. Chambre d'Amélie. C'est la chambre d'Amélie. Bravo. C'est la chambre d'Amélie. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la chambre? Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre d'Amélie? Lina. Un bureau bleu, très bien. Une armoire. Mm-hmm. Et un lit. Et un lit, très bien. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Famille, حاجة أخرى نجم نعبر عليها. Rani. Madiha, oui. Étape de nuit. Dans la chambre d'Amélie, il y a un lit, un bureau bleu et une jolie armoire. Sous un lit, il y a un petit chat. Bravo! Est-ce que vous avez bien entendu? Elle a dit sous le lit, ou bien sous un lit, il y a un petit chat. D'accord? Alors. Madame, je lis. Oui? Je lis, madame. Qui peut me lire cette phrase? Mouaïd, Ayoul, dis la phrase. Regarde l'écran.
regarde l'écran. Parfois, je ne suis pas le Donc, tu je me suis dit le je suis pas le l'écran. Dans? Dans? Demain? Très bien. Chambre? Chambre? Mm-hmm. Chambre. Il est. Il y a. Il y a un lit. Une jolie tahit. Armoire. Armoire et un bureau bleu. Très bien. Maintenant, regardez l'image. Madame? Oui? Mediha? Qui a parlé? Je connais tout le monde. Mediha? Anna. Oui, vas-y. Hein? Madame et moi. D'accord. Quand je vous dis, je vous dis, je vous dis, je vous dis, Et dimanche, les trois enfants sont dans la salle, la maison. Très bien, Nour. Nous jouons dans la salle. D'accord, bravo, Mediha. Nour, je t'écoute. C'est dimanche. Amélie, Bruno et Nadine jouent dans le salon. Très bien. Bravo, Lina. C'est dimanche. Les trois enfants ne vont pas à l'école. Bravo! C'est dimanche, les trois enfants ne vont pas à l'école. Et plutôt on dit, c'est dimanche, Amélie et Bruno ne vont pas à l'école parce que Nadine est petite et elle n'a pas classe, d'accord? Elle n'a pas classe, Nadine. Tu me tenais? Donc, je pars sur Amélie et Bruno. Donc, ils ne vont pas à l'école le dimanche. Bravo. Donc, Youssef, lis la phrase. Aujourd'hui, c'est dimanche. Les enfants. Ne vont pas à l'école. Très bien, bravo. Maîtresse. Oui. Nadine joue avec une poupée. Très bien, Nadine. Nadine joue et un robot. Nadine joue avec le robot. Oui, Nour. Nadine a beaucoup les jouets. A beaucoup de jouets. Mm-hmm. Emna. Oui. Hey, je t'écoute, Bintia, tu as une phrase. Maîtresse. J'ai pas bien entendu, hein, tu es bien chouette. Nadine joue avec maîtresse. Maîtresse, Amélie joue à la poupée. Avant, s'il vous plaît, au retour de sahbatna de t'kallam à ne pas parler ensemble. On lève le doigt et je donne la parole, d'accord? J'ai donné la parole à Emna, donc on doit tous écouter Emna. Aïe, Emna, vas-y, répète s'il te plaît. Ah, je crois Nadine joue avec une poupée. Très bien, bravo. Et des cubes. Et un robot.
Donc, Nadine joue avec une poupée, un robot et des cubes. Très bien. Rani, je t'écoute maintenant. Amélie joue à la poupée. Est-ce que c'est Amélie? Amélie joue Nadine. À la poupée. Et est-ce que c'est Amélie? Est-ce que c'est Amélie qui est dans l'image? Nadine, voilà, Nadine joue avec, on ne dit pas à la poupée, avec sa poupée. Alors Nadine est une fille, oui ou non? Oui. Elle est grande ou bien petite? Petite. Elle est petite, très bien. Est-ce que c'est la sœur d'Amélie ou bien les frères d'Amélie? Les sœurs d'Amélie. La sœur d'Amélie, très bien. Est-ce que Nadine va à l'école? Non. Non. Pourquoi? Nadine dans la chambre. Nadine est dans sa chambre, mais pourquoi elle ne va pas à l'école? Pourquoi? Elle est petite. Voilà, très bien. Elle est petite, très bien. Allez, regardez maintenant ce message et vous allez chercher le mot beaucoup. Maîtresse. Oui. Madame, je lis. Non, on va lire après, mais... Bonjour Fatma. Tamchit, Kenay Benti. Salut. Makbeli Kahadra. Ah, d'accord, mais je n'ai pas vu. En tout cas, et Fatma, on va chercher le mot beaucoup. Et on l'écrit sur l'ardoise. Beaucoup. Oui. Ça y est? Oui. Un, deux, trois, devinez les ardoises. Bravo Mohamed, bravo Enna. Allez, Fatma. Mediha, Mouaïd, tu as écrit beaucoup? Beau. Non. Donc, beaucoup, c'est à la fin P. Fatma, c'est à la fin P, c'est pas G. P. Très bien. Youssef, tu as écrit beaucoup? Oui. Montre-moi. Non. Mais pourquoi? Très bien, Nour. Allez, vas-y, écris le mot beaucoup, vite. Bravo, Mohamed. Mohamed, tu as écrit beaucoup? Oui. Oui. Bravo, Rani. Mediha. مديحة مقلوبة الكلمة اللي كتبتها اللي قلعيش بنتي مدام خي بيان برافو لي زنفان علي غست وي معناتها بست معناتها هي بس دي صحيحة داكار برافو علي منتنا فاطمة فاطمة لي المساج Nadine a beaucoup de jouets. De jouets. Très bien. Des poupées, un robot et des cubes. Très bien, bravo. Lina. Une phrase, hein? Lina, tu m'écoutes? Ce sont qui? C'est la maîtresse? Non. Hein? Donc, ce sont qui? Hey, Lina, je t'écoute. Hey, Bettinis Mafika.
Dupré. Oui. Joue au domino. Voilà, la famille Dupré joue au domino. Bravo, Fatma. C'est le soir, la famille Dupré joue au domino. Très bien, Emna. Aïe, Emna, je t'écoute. Emna, je t'écoute. Et Bentinis, ma fille, okay, vas-y. Non, non, ouvre le microphone, ouvre le microphone. Oh, il vient tirer le microphone. La famille est de près. La famille Dupré. La famille Dupré joue au domino dans le salon. La famille Dupré joue au domino dans le salon. Bravo. Très bien. Aïe, Mediha. Lis le message. Evelyne joue leurs parents. Ça, avec leurs parents. Non, non, très bien. Allez, tu peux me lire le message. Je connais pas les phrases liées. Ce soir, la famille Dupré joue avec domino. Est-ce qu'il y a le mot avec dans cette phrase-là? Non. Mohamed, est-ce qu'il y a le mot avec dans cette phrase? Mohamed. Où? Oh, très bien. Ce soir, la famille Dupré joue au domino. Très bien. Yatkoum Saha. Maintenant, on va passer avec un autre travail. Une seconde, s'il vous plaît. Non, attends. Je vais vous montrer. Aman Beli Aïchkoum, il y a un peu de temps pour vous faire un peu de temps. Je vais vous faire un peu de temps, s'il vous plaît. أنا زيدت عندي حس أما مسكر لصوت يا بوكو دو بغوي بوكو دو بغوي في البافة عندي حس آه داكار فهمتك ألي جنفان رغاردي بيان ياتكم الساحة مدام جولي لتيست مدام جولي لتيست مش نعطيكم الوقت اللي انتم تقرأوا. Vous allez faire une lecture silencieuse, individuelle, et après on va lire ensemble. Hein? Pardon, hein? Vas-y. Madame. Oui. Oui, par cœur. Silencieusement, madame. Ça y est, vous avez terminé? Non, maîtresse. D'accord. Madame, ça y est. Très bien. Madame, son âme, madame. On est Youssef. Oui. Hey Youssef, j'ai demandé de lire le texte. La minute, mais je t'ai la masse. Oui. Le texte. C'est dimanche. Comment? Le pas. Elul.
J'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que tu m'as demandé? Hello. Non, 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 non. Maintenant, on va lire le texte. Allez, on commence. Mohamed, Mohamed, lis le texte. C'est dimanche, les parents ne vont pas la famille est dans sa grande maison. Attends, attends, Mohamed, je vous le dis. Doucement. Répète. Les parents ne vont pas au travail toutes. Bon, là, ce que je trouve un point, je me stoppe un peu. Retourne un point. Tu te stoppes, d'accord? Hein? Vont pas au travail. D'accord. Le famille est dans la famille est dans sa grande maison. Très bien. Bravo. Nadine joue avec sa jolie poupée dans sa chambre. Youssef, il n'a rien de l'écran, mais je n'ai rien comme tablin ou là. Allez, lis, où est-ce que tu as dit? Chambre, bravo, allez, continue. Bruno joue. Rani, tu es en train de faire des bêtises. Je t'entends, Rani. Attends, Youssef. Qu'est-ce que tu es en train de faire? On est en train de lire un texte, un tirade à ta semaine. Allez, suis. Youssef, continue. Bruno joue au ballon dans le jardin. Rani. Allez, Bintier. Madame, Fama Hess. Oui, Fama Hess, واحد منكم عنده برشا حس في الدار. أنا سجدي. شنو الحس يا ولدي اللي عندكم في الدار؟ بوف ما عندي حس. Allez, Rani, vite lis la suite. Dans. Ranim, je t'écoute, s'il te plaît. Le jardin. Cherche le mot le jardin et après tu continues. Allez, vite. Le salon, Amélie lit un livre. Bravo, Madiha. Madiha, maintenant, merci beaucoup. S'il te plaît, Atiksaha Yelani. Le soir, les parents et leurs enfants au cinéma. Ils sont comme.
Content, très bien. Est-ce que vous avez compris le texte? Oui. Non, tu as un problème. On ferme les parenthèses. Est-ce que vous avez compris le texte? Est-ce que vous avez compris le texte? Oui. Très bien. Allez. Qui peut me lire la question numéro 1? Je relis par une flèche. Très bien. Je relis par une flèche. Allez, suivez-moi maintenant. Toute la famille a une jolie poupée, va au cinéma ou bien est dans le jardin? Enlève le doigt avant de parler. Non, 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 non. On fait oralement la réponse, d'accord? Allez, toute la famille a une jolie poupée. Va au cinéma ou bien est dans le jardin? Emna. Va au cinéma. Très bien, toute la famille va au cinéma. On passe maintenant. Bruno. Bruno est dans le jardin. Très bien, bravo. Bruno est dans le jardin. Maintenant, Lina. Nadine. Allez, Lina. Nadine a une jolie poupée. Bravo, Nadine a une jolie poupée. Je passe à la question numéro 2. Hein? Qui peut me lire la question numéro 2? Madame. Qui peut me lire la question numéro 2? Vous levez le doigt, s'il vous plaît. Fatma. Amélie. Non, Amélie. Lis la question. Lis la question. Je souligne la bonne phrase. Dans la salon de... Amélie est dans la salle de bain. Oui ou non? Non. Non. Très bien, Amélie. Pas dans la salle de bain. Et on passe. La phrase numéro... Est-ce que je souligne Amélie est dans la salle de bain? Non. Non. Maintenant, Mohamed. Lis la phrase numéro 2. Les enfants ne sont pas contents. Contents, contents. Qu'est-ce que ça veut dire content? Qu'est-ce que ça veut dire content? Je m'en étais content. Les enfants, je vous écoute. Madame, voilà, j'attends la réponse, mais j'évolue bien en français. Content, c'est-à-dire heureux, joyeux. D'accord? D'accord. Heureux, joyeux. D'accord. Bravo. Les enfants ne sont pas contents. Est-ce que je souligne cette phrase? Mohamed, je souligne la phrase « Les enfants ne sont pas contents ». Les enfants. Est-ce que je souligne? Hein? Non. Je souligne la bonne phrase. Les enfants ne sont pas contents. Est-ce que c'est une bonne phrase? Suivant le texte, Hasbanas, est-ce que c'est une bonne phrase? Oui ou non? Non. Non, voilà, donc je ne souligne pas. Maintenant, je passe. Mehdi Hai Binti. Lis la phrase suivante. Le dimanche soir, la famille va au cinéma. Va au cinéma. Oui. Oui, très bien. Donc, le dimanche soir, la famille va au cinéma. D'accord. Maintenant,
Je réponds par vrai ou faux. Emma. Le soir, les enfants vont à l'école. Vont à l'école. Est-ce que le soir, les enfants vont à l'école? Faux. Faux. Voilà. Donc, maintenant, après le texte, je justifie ma réponse. Manita. Je relève une phrase du texte montre que le soir, les enfants ne vont pas à l'école. Alors, où ils vont? Le soir, les parents et leurs enfants vont et leurs enfants aussi vont au cinéma. Au cinéma. Voilà. C'est la phrase qui... Ah, voilà, le bleu s'est foncé un peu. Donc, la phrase qui est en jaune, d'accord? Le soir, les parents et leurs enfants vont au cinéma, ce qui montre qu'ils ne vont pas à l'école le soir. Très bien. Maintenant, je complète avec ne pas. Hein? Le dimanche, les enfants vont à l'école. Youssef. Oui, maîtresse. Allez, le dimanche, les enfants vont à l'école. Non. On utilise une paille. Qu'est-ce qu'on dit? Non. Oui. Non. Non, il vous dit le dimanche. Les enfants ne vont pas à l'école. Très bien. Rani, maintenant. Rani. Danim, je t'écoute. Et Binti, Bruno joue avec l'ordinateur. J'ai pas entendu. Nour. Bruno joue avec l'ordinateur. Avec l'ordinateur. Ben, tant que je n'en ai pas, qu'est-ce qu'on dit? Bruno? Nour, je t'écoute. Bruno joue avec non pas l'ordinateur. Non. Je connais ça là. Qui corrige? Qui corrige? Non, l'ordinateur. Mohamed, hein? Bruno? Hey, Mohamed, hein? Non, Bruno joue pas avec l'ordinateur. Bruno? Non, joue pas. Bravo, ne joue pas. Avec l'ordinateur. Très bien. Donc, ne joue pas avec l'ordinateur. Est-ce que vous avez compris ne pas, oui ou non? Oui. Ne joue pas, on se termine. Dis-moi, entre le verbe. D'accord? Oui, maîtresse, d'accord. Oui, oui. Maintenant, je complète ce tableau. Oui. La réponse sur l'ardoise. Est-ce que vous avez une idée sur le singulier et les pluriels? Est-ce que je me fais combien de singulier ou de pluriel lui, ou non? Oui. 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 Très bien. Donc, je complète ce tableau. La fille joue avec un lapin. Quand je parle sur beaucoup, beaucoup de lapins, on dit la fille joue avec des... Des pains. Des lapins. Alors, comment ça s'écrit, lapin? Qu'est-ce que j'ajoute à la fin? Une. Oh! Une. Comment une? J'ai pas compris. Regarde bien.
Alpha F. Voilà. Ça, c'est un stylo, oui ou non? À la France. Là, c'est un stylo. Mais quand je parle sur plusieurs stylos, qu'est-ce que je dis? Des stylos, oui ou non? Oui. Donc, le mot stylo apprend S à la fin. S à la fin parce que je parle sur beaucoup de choses. Beaucoup, plusieurs, d'accord? Oui. Donc, le mot lapin. Écrivez des lapins sur l'ardoise. Allez, les enfants, hein? Regarde le tableau. La fille joue avec un lapin. Little 1, il y a des cas soulignés. Le 1 exprime le singulier. C'est-à-dire, je parle sur un seul lapin. Et quand je me parle sur beaucoup de lapins, beaucoup de lapins. Donc, je dois ajouter le S à la fin du mot. Parce que le S indique le pluriel. Fenty Mohamed, voilà. Donc, la réponse sur l'ardoise. La fille joue avec des lapins. Comment ça s'écrit le mot des lapins? Aïe, Sophie Audier. Écrivez lapin sur l'ardoise. Hein? Bravo, Madiha. La fille. Lapin, c'est papa. Lapin. 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 C'est-à-dire, oui, non, non. Nous sommes dans la première ligne du tableau. Voilà ce qui est en jaune. D'accord? Madame. Oui. Lina, ça y est? يا مديحة إيش بنتي دي لابان سي بابا مش قاعدة نحكي على الخبز أنا قاعدة نحكي على لابان كوريج مديحة كوريج لابان لابان سي بابا برافو نور أيمنا محمد يوسف allez vite 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 j'attends la réponse لينا راني مؤيد أي مؤيد يردي اللي مش فاهم حاجة يقول لي داكور Madame. Maîtresse. Maîtresse, oui. Maîtresse. Regarde l'ardoise de Mohamed. J'ajoute le S. Tu vois, j'ajoute le S parce que je parle sur plusieurs lapins. Donc, je mets le S à la fin. Regarde bien en rouge. Hein? Ok, en rouge. Est-ce que tu as compris? Youssef, tu as compris? Oui, maîtresse. Bravo! Maintenant, on passe pour la phrase... Numéro 2. Dans ma chambre, il y a un lit. D'accord? Quand je parle sur beaucoup, qu'est-ce qu'on dit? Dans ma chambre, il y a des... Bravo, Emna. Bravo, Rani. Des pains. Lapin. Bravo, Lina. Aïe, Mouaïe, j'ai pas vu, moi. Des lapins. Des lapins, Mouaïd. Aïe, Oldi, où est l'ardoise m'tiak? Lapin, pain, lapin. Alors, c'est attaché, lapin. INS à la fin. Maintenant, bravo. Bravo, Lina. Dans ma chambre, il y a des lits. Comment ça s'écrit, lit? Est-ce que c'est juste comme ça? Annie, est-ce que c'est juste? Madame. Bravo, Madiha. Est-ce que c'est juste ma réponse? Regardez bien. Bravo, Elina. On passe pour la phrase numéro 2. Voilà ce qui est en rose maintenant. Regardez. Hein? Dans ma chambre, il y a un lit. Quand je parle sur beaucoup, on dit dans ma chambre, il y a des lits. Donc, lit à la fin.
S. S. ديلي برافو راني اي مديحة اي نور سيدي لي محمد امنا tu as terminé لي à la fin S voilà bravo لي à la fin S maintenant on va travailler sur la dernière phrase Travaille maintenant. Hak fumtuni tawika. Envers. Maintenant, j'ai deux mots. Une fleur et un arbre. Il y a. Salut ici. Et un. Dans le jardin. Bravo. Il y a une fleur et un arbre dans le jardin. Donc maintenant, quand je parle sur plusieurs, écrivez les deux mots qui manquent. Les fleurs, madame. Des fleurs, bravo Lina. Oui, oui, vous allez, oui, vous devez écrire les deux mots. Emma. Ça y est, tu as terminé? Madame. Oui. Bravo. Bravo, Nour. Bravo. Ksaha, ebenti. Medi, ça y est, tu as fini? Maîtresse, d'accord. Oui, des fleurs. Regardez, regardez l'ardoise du Youssef. Est-ce que c'est juste des fleurs? Regardez l'écran, regardez l'ardoise du Youssef. Est-ce que c'est juste? Des fleurs. Des fleurs, est-ce que c'est juste? Oui. Les enfants, chouffe le laouhamta Youssef. Regardez l'ardoise du Youssef. Est-ce que c'est juste la réponse? À la fin S. À la fin S, Youssef. Je parle de beaucoup de fleurs. Voilà, très bien. À ne pas oublier, l'article déterminant D, par obligation, tu dois ajouter le S. Tahi, des fleurs. Maintenant, bravo, Mohamed. Bravo, Emma. Aïe, Mouaïd. Madame, la lettre S. Rani. Aïe, Binti. Fatma. Bravo. Fatma, je donne la réponse maintenant. Bravo beaucoup. Donc, il y a des fleurs et des arbres dans le jardin. D'accord? Des fleurs prend le S à la fin et des arbres prend aussi S. J'ai fini. Très bien. Tu as fini. Maintenant, je passe. Fleur, fleur, l'anime. Fleur, avant le S, il y a le R. Très bien. Bravo. Baissez les ardoises maintenant. Baissez les ardoises. Suivez-moi. Baissez et effacez les ardoises. Les enfants, effacez les ardoises. Très bien, on passe à la question numéro 6 maintenant. Bravo. Fleur, F. Maintenant, on passe à la question numéro 6. Ah, t'as vu que je n'ai pas de connaissance. Julie, je colorie. Amélie et Mario jouent dans la cour. J'ai donné deux mots. Joue, joue. Regardez bien, il y a une différence. Alors. Non, 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 la réponse sur l'ardoise. La réponse sur l'ardoise. Aïline? Oui. Ça y est? Non.
Joue, hein? Comment j'écris joue? Amélie et Mario jouent dans la cour. Bravo, Mohamed. Bravo. Nour. J'ai pas compris. Joue. Madame. À la fin ENT ou bien à la fin E? Non, non, j'ai pas demandé, Madiha, de faire la phrase numéro 2 et 3. En attendant, la phrase numéro 1. Madame, il y a une fête qui m'a fait tout fait à terre. Madame, il y a une fête qui m'a fait tout fait à terre. Madame. Non, à la fin, Amélie et Mario Zouz. Bravo, Nour. Bravo, Youssef. Bravo, Lina. Bravo, Madi. Hayatkoum Saha. Je connais le bravo. Ranim, bravo. Emna, bravo. Maintenant, passe. Fatma, tu m'écoutes? Madame. Oui. Oui. Je vais à la toilette. Je veux aller aux toilettes. Ok, d'accord. Et maintenant, on passe à la phrase numéro 2. Hein? Mon frère vend ou bien va au cinéma? Qu'est-ce qu'on dit? Bravo, Mohamed. Ça a été dit. Ardoise. Bravo. Et écoutez bien, je veux une réponse individuelle. Youssef, tu as le microphone. Ouvre le microphone. Oui, prête. Allez, repartez, va, Youssef. Pourquoi tu as choisi va? Alors, mon frère, voilà, c'est singulier, c'est-à-dire je parle sur une seule personne. Très bien. Bonne réponse, Atksaha. Bravo Lina, bravo Emna, bravo, bravo Rani. Maintenant, ah, la réponse c'est je colore la question. Julie, je colorie. Hadhad la palais maîtresse, tu dois colorier la bonne réponse. Les enfants. Madame. D'accord. Je colorie. Madame, je colorie. Oula, oui. Hadhad la palais maîtresse, tu n'as pas colorié. Voilà. Donc, on dit mon frère vend ou bien va au cinéma. Voilà. Maintenant, on passe à la phrase suivante. Ma sœur joue ou bien joue dans le jardin. Soit joue à la fin ENT ou bien joue à la fin E. Joue à la fin E. Regardez l'ardoise de Ranim. Est-ce que c'est juste? Elle a dit joue à la fin ENT. Est-ce que c'est juste? À la fin E. Voilà, Lina. Donc, joue à la fin E. Yérani, ENT, quand je parle sur beaucoup, d'accord? Voilà, comme les filles et les garçons, les enfants, les élèves. Et quand je parle sur une seule personne, automatiquement, je mets joue à la fin E. Bravo, Emna. Bravo Lina, yatk saha ibnti. Bravo. Oui. Bravo Nour, Mohamed. Maintenant. Maintenant les enfants. On passe à la production écrite. Ayatikoum Saha, bravo. Fermine, dals, moukoum wadha. Maintenant, très bien. Ayrani, mais baissez les ardoises. Baissez les ardoises. Baissez maintenant les ardoises et regardez bien l'écran. Je lis les étiquettes et je fais une phrase. Et attention, il y a un intrus. Je mets un intrus. Qu'est-ce que ça veut dire un intrus? Ma ta femme rentre sur Dakhri. Femme Tony ou là? Hein? Zeg.
كلمة زايدة. فوالا الانتروفيو وكلمة زايدة. اي كنقولوا بهذا الجمل وفما كلمة زايدة. Voilà, mais parfois il n'y a pas une, un mot intrus, hein. Faire attention. D'accord, comme vous voulez. Ok. Alors, je lis les mots. Vent, les élèves, l'école, à jardin. Donc, c'est quoi la phrase, hein? Est-ce que vous avez terminé? Vont les élèves, l'école, à jardin. Maîtresse, vont les élèves jouer? Où vont les élèves jouer? J'ai pas compris, Youssef. Youssef, j'ai pas compris ta réponse, ta question. Bravo, Nour. Aïline. Mazalt, maîtresse. Madame. Bravo, Madiha. Allez. Fais seulement la phrase numéro 1, d'accord? Allez, les enfants, hein? 1, 2, 3, levez les ardoises. Bravo, Mohamed. Rani. Oui, madame. Allez, Rani, montre-moi ton ardoise. Tu as fini, oui ou non? Non. Les élèves jouent. J'ai pas compris, moi. Irène, tu n'as pas compris la question ou comment? Ah non, les élèves jouent. J'ai demandé de lire les étiquettes et de faire une phrase. Attention, il y a un intrus. Vont les élèves l'école à jardin. D'accord? Bravo, Lina. Aïmadi, halbinti, emna. Ah non, ce n'est pas vrai. Aïe, Emna, donne-moi la phrase. Écoutez, Emna. Les élèves. Les élèves, oui. Bon. Très bien, les élèves vont à l'école. C'est quoi l'intrus? Jardin. Voilà, donc le mot jardin est intrus. Ah, voilà. On passe maintenant à hein, la phrase numéro 2. Joue, ballon, Mario, eau ou mer. Bravo, Madiha. Madame, mer. Non, je... Youssef. Oui, maîtresse. Aïe, Oldie. Un gamin. Aïe, vas-y, vite. Maîtresse, rekbam. Bien sûr. On met en ordre, normalement, bien sûr. Aïe, Oldie. Andek joue, ballon, Mario, eau, mer. Terminé.
terminé. Très bien, nous. Oh. Oulmer, qui est la maman? Oh, bravo, Emna. Ah, Iranim, c'est quoi la phrase? Par quoi je commence? Oralement, Iranim. Oralement la réponse. Donne-moi la réponse oralement. Joue, ballon, Mario, Omer, Mario. Aïe. Mario. Bravo, Youssef. Yatkistaha. Mario, joue. Aïe. Oh. Oh. C'est bon, hein, Kassaha? Oh. Au quoi? Au ballon ou bien au mer? Qu'est-ce qu'on dit? Non, non, s'il vous plaît, je veux une réponse individuelle. Hab hatta tadakhal. Rani, Mario joue au ballon. Très bien, au ballon. Donc, c'est quoi l'intrus? Mario au ballon. Donc, l'intrus, Mario... c'est mer. Et une phrase se termine avec un point. À ne pas oublier, d'accord? D'accord. Voilà, maintenant, on passe à la phrase suivante. Nadine, beaucoup, a de jouer. C'est facile. Ah, Youssef, la réponse, c'est... Oui, maîtresse. La réponse, Atini, j'ai bien. Nadine. Mm-hmm. Dans... Joue et dans... Joue. Non, non, non. Non. Nadine est dans beaucoup. Et est-ce qu'on a le mot et? Bravo Mohamed. Non, tu as oublié le mot a. Nadine a. A. Nadine a. Nadine a. Mm-hmm. Madame. A de. Madame. Oui. Beaucoup. Alors beaucoup. Madame, j'ai terminé. Bravo, Nour, yatk saha. Nadine a deux beaucoup. A, B, Nadine a deux beaucoup. Hey? Madame, j'ai terminé, mon un, ou deux. Bravo. Aïe, se fait. Nadine a deux beaucoup. Joué. Regardez la réponse. Regardez la réponse de Youssef. Est-ce que c'est juste? Madame, regardez. Non. Non, non. Madame, non. Voilà. Donc, comment je corrige? Madame, ralak. Oui, ralak, oui. Je ne sais pas si tu as dit que Youssef. Qui corrige? Lina, corrige la faute. Lina, je t'écoute. Beaucoup de jouets. Nadine a beaucoup de... Jouer. De jouer, voilà. Et Youssef. Nadine a beaucoup de jouets. Est-ce qu'il y a un intrus là? Un intrus au nia? Non. Non. Voilà, non. On passe maintenant à la phrase suivante. Habite jolie Amélie une maison. سيداتي مدام وي لان ما حطيتش فاصل هذا مش باش نستعملوها ميزون ميزون يمكن اي يمكن لا اتواج دو جوي دونك انت لازمك تخمم فيها وانت لازمك تطلعها الحكايه دي يوسف شقلنا احنا الميكروفون اوفير ولا
Oui. D'accord. Amélie? Bravo, Nour. Yatik saha. Emma? Oui. Mohamed? Tu as fini? Non. Non, moi, je suis Amélie et française, Yoli. Tu as j'ai passé. Terminé. J'ai terminé. Mohamed? C'est la dernière phrase. Moi, je parle sur habite, jolie, Amélie, une maison. J'ai terminé mon travail. Bravo, Youssef. Rani, tu as terminé? Non. Non. Terminé. Très bien. J'ai terminé mon travail. Bravo, Madiha. Bravo, Edna. Aïe, Mohamed, a-t-il la réponse? Amélie. Ah, Amélie. Non. Tu as passé une phrase, Mohamed. Donc, je parle sur habite. Je lis Amélie une maison. Hein? La phrase. Amélie. Amélie. Hein? Habite. Habite. Une. Une. Maison. Une maison. Mais. Hein, les enfants. Est-ce que c'est juste? Non. Madame, c'est je à calme. Oui, c'est juste, mais elle a oublié le mot joli. Amélie habite une maison jolie. Comme ça, est-ce que c'est jolie. Juste? Une jolie maison. Une jolie maison. Une maison jolie. Est-ce que c'est juste une maison jolie? Non. Une jolie maison. Voilà. Une jolie maison. Très bien. Est-ce qu'il y a un intrus? Est-ce qu'il y a un intrus dans cette phrase? Madame. Non. Oui, Rani, mais où est-ce que tu travailles, Rani? Montre-moi ton travail. Rani. On n'est pas là. Allez les enfants, on passe pour la dernière phrase. Vous lisez tout seul. Amélie. Non. La réponse sur l'ardoise. Bravo Mohamed. Madame. Oui. Madame, j'ai terminé. Très bien. Amélie habite une jolie maison. Hein? Bravo. Terminé. Très bien. Youssef, tu as terminé? Oui. Nour? Oui. Tu as fini? Madame, Marie, madame. Ah, j'ai pas vu. Désolée. Montre-moi. Ah, tu as effacé. Aïranim. Bravo, Emna. Aïe, Emna, tu n'as la réponse? Amélie est française. Amélie est française. Madame est française, madame. Amélie française. Est française, donc l'intrus, c'est français, oui ou non? On parle en français parce qu'Amélie est une fille. Quand je parle chez Bruno, qu'est-ce qu'on dit, Bruno? Garçon français. Bruno est français. Très bien. Parce que Bruno est un garçon. Bravo, Rani. Et maintenant, on passe pour ce dernier exercice. Je relis pas une flèche. Alors, vous allez lire la phrase numéro 1 et vous allez me dire à quelle image
correspond à ce message. Sur l'image numéro 1, image numéro 2 ou bien image numéro 3, vous mettez le chiffre sur l'ardoise. 1, 2, 3 sur l'ardoise. Non. La réponse sur l'ardoise. Et Youssef, tu as là. Ayoudi, tu travailles. Lina, ça y est? Maîtresse. Oui. J'ai terminé mon travail. Très bien. J'ai terminé mon travail. Très bien. Un, deux, trois. Allez, maintenant, Emna, lis la phrase numéro un. Madame, ma chambre oui. est un lit inégelé. Armoire et un bureau. Bleu. Alors, montre-moi maintenant, montrez-moi la réponse. Levez les ardoises. C'est quelle image? Numéro? C'est l'image numéro 1. C'est juste comme ça. Regardez bien, c'est juste comme ça. Oh. Youssef, c'est juste comme ça, c'est le numéro 1. Non, maîtresse. Non, voilà, parce que j'ai entendu numéro 1, donc c'est le numéro 3. Très bien. Youssef, lis la phrase numéro 2. Amélie, Bruno et Nadine sont et la maison. Trois, maîtresse. Non, non, on ne dit pas la réponse. La famille. Non, 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 attends. Amélie, Bruno et Nadine chantent à la maison. C'est l'image numéro combien, Youssef? Deux. Deux, très bien. Et enfin, Lina, je t'écoute. Hey, Binti, laisse-moi fille. Lina. Ce soir, la famille Dupré joue au domino. Joue au domino, très bien. Image numéro combien? Image 1. Image numéro 1, très bien, bravo. Bravo les enfants, yatkoum saha. Maintenant, je vais dicter quelques mots sur l'ardoise. Hein? Baissez les ardoises. Les enfants, baissez les ardoises et vous allez écrire le mot dans. On va écrire sur l'ardoise le mot dans. On va faire une dictée, Emla. Je vais vous proposer quelques mots et vous allez écrire le mot dictée. J'ai demandé d'écrire dans. Très bien. Bravo. Mohamed Ayouldi, Emna. Youssef. Très bien. Ça y est? Bravo. J'ai terminé. Très bien. Dans à la fin X, c'est pas X. Dans à la fin S. Dans à la fin S. Bravo, Ranim. Maintenant, baissez les ardoises, effacez le mot. La classe. Écrire le mot la classe. La classe, Youssef. La classe.
Madame. Oui. La Karabchouya, je suis venue à l'ardoise. La classe, j'ai pas bien vu. Très bien. Aïlina, la classe, tu as écrit. Très bien. Emna, à ne pas oublier le déterminant là, d'accord? Là, il est comme un S. Classe, à la fin, avec deux S. Très bien. Bravo, Youssef. Classe, l'anime, classe, ça s'écrit avec deux S. Deux S. D'accord? Maintenant, vous allez écrire le mot bonjour. 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 Aïe Mohamed. Très bien. Bravo. Bonjour. Our. Donc, O-U-R. Il y a le U. Bravo, Emna. Lina. Aïe Renim. Bonjour. Youssef. Le prince. Awaldi. Vous êtes choix. Kadesh, c'est à Satine, Kadesh. Bonjour, c'est là. Vite fait. Très bien, Lina. Bravo. Madame, Anaï. Oui? J'ai terminé mon travail. Joli, madame. Bravo. Joli, madame. Bon, bonjour. Donc, à la fin, avant le R, il y a le U. Bonjour. Ça, ça se prononce bonjour. Bonjour. O-U-R. Très bien. Maintenant, les enfants, est-ce que vous avez appris des chansons à l'école? Bonjour, O-U-R. Ce n'est pas E, il n'y a pas E à la fin. Famille, E, au dernier du mot. Très bien. Les enfants, est-ce que vous avez appris des chansons à l'école? Fatougnaïa, des chansons. Oui, madame. Oui. Allez, je t'écoute. Aïe, l'anime, hein? C'est bon, madame. Non, on va chanter maintenant. Oui, madame. Madame, madame. C'est quoi la chanson? Mediha. Non? Madame. D'accord, je t'écoute. Ne se mange à dire quand même. À sa maison, son cœur, son petit frère, sont allés porter un foulard à grand-mère. Comme elle était sortie, toute la famille a dit, puisque si ainsi nous reviendrons. Bravo. Mardi matin, Samy, son père, sa mère, sa soeur, son frère, sont allés porter un foulard à grand-mère. Comme elle était sortie, toute la famille a dit, puisque si tant-ci nous reviendrons. Mercredi matin, Samy, son père, sa mère, sa soeur, son frère, sont allés porter un foulard à grand-mère. Comme elle était sortie, toute la famille. Ainsi nous reviendrons.
Jeudi matin, Samy, son père, sa mère, sa sœur, son petit frère sont allés porter un foulard à grand-mère. Comme elle était sortie, toute la famille a dit: puisque si t'insu, nous reviendrons. Vendredi matin, Samy, Mère, sa sœur, son père sont allés porter un foulard à sortie. Toute la famille a dit: puisque si samedi matin, Samy, son père, sa mère, sa sœur, son frère sont allés porter un foulard à grand-mère. Comme elle était sortie, toute la famille a dit: puisque c'est ainsi, nous reviendrons. Très bien. Dimanche, Samy, son père, sa mère, sa sœur, son frère sont allés porter un foulard à grand-mère. Comme elle était sortie, toute la famille a dit: puisque c'est ainsi, nous reviendrons demain. Très bien, bravo. Aïe, je connais rien d'une chanson. Aïe, Rani, mais le petit Benoît compte jusqu'à trois. La petite Alice compte jusqu'à six. Mon frère Vincent compte jusqu'à un cent. Mon cousin Émile compte jusqu'à 1000. Très bien. Qui d'autre? Nour. Habite à Paris, tous les toits sont gris. Ma maison est loin, entourée d'un jardin. Ma chambre est jolie avec son petit lit. Sur mon lit se cache mon petit chat Eustache. Très bien, Lina. 1, 2, 3, place tes doigts. 4, 5, 6, tape tes pouces. Voilà, 7, sur la tête. 8, 9, 10, tous les enfants applaudissent. Très bien, Youssef. 1, 2, 3, claque tes doigts. 4, 5, 6, tape tes cuisses. Voilà, 7, sur la tête. 8, 9, 10, tous les enfants applaudissent. Les enfants applaudissent. Bravo. Maintenant, Emma. Oui. J'ai pas entendu, hein, Venti. Une petite. Très bien, hein. Maîtresse. Attendez, écoutez votre amie. Maîtresse. Oui. Mais attends, on est en train d'écouter Emna. Écoutez. Vite, qui courait des villes en ville. Où va-t-elle? À Paris. Très bien. Maintenant, je vais vous montrer une nouvelle chanson. Une très belle chanson et j'espère que vous la connaissez. Attendez, hein? Allez, enfants, écoutez. Bonjour, mes petits amis. Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe du pied. Si tu as de la joie au cœur, frappe du pied. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe du pied. Si tu as de la joie au cœur, fais oura, oura. Si tu as de la joie au cœur, fais oura, oura. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, fais oura, oura. Si tu as de la joie
merci, merci. Si tu as de la joie au cœur, dis merci, merci. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, dis merci, merci. Est-ce que vous connaissez cette chanson? Est-ce que vous connaissez cette chanson? Oui, madame. Oui, madame. Un chanté? Oui, madame. Un chanté? Oui. Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Allez, on chante. René, vous parlez? Non, oui, oui, non, je n'ai pas compris. Est-ce que vous connaissez cette chanson? Madame, je ne sais pas si je suis en train de faire. Ah, d'accord. Alors, la séance prochaine, on va apprendre ensemble cette chanson. Hassa jib, je n'ai pas de mal à l'heure, d'accord? Maîtresse, A, B, C, D, E. Vous connaissez tous ces chansons? Une seconde. Connais-tu ton alphabet? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Je connais mon alphabet. La prochaine fois, chante avec moi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Maintenant, je les connais toutes les lettres de l'alphabet. Ouais, bravo les enfants, vraiment je suis très fière de vous. Farhana bikoum barcha al akhar w farhana barcha li ana ta'rift alikoum. Et on va se rencontrer la prochaine fois, d'accord? La séance est terminée. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Bonne semaine pour demain et au revoir. Madame. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Madame Youssef, Mazan Khloya. Madame, fini la séance. Il est 8:30. C'est fini. Oui. Au revoir. Au revoir les enfants, bonne nuit. Au revoir. À bientôt. Salam, aslema. Aslema, samahni. سامحني نسالش مش نسالك سؤال أيوة في قطر لهنا كملوا الموديل نيميرو 8 وتوا مش يدخلوا لنا معناها مقدمين شوية على جماعة تونس أيوة كيفاش مش يدخلوا لي سيونس دونك لازم نوفر من هكا ومن هكا اون فا فواغ بون هو تو في تونس مثلا كيفاش باش عادي دوزيام تريمستر على 6 و 7 داخلين خاطر 6 سا ديفور الطلبه كي قالوا 6 اسكو يقصدوا على 6 اللي في البرنامج القديم ولا 6 نتاع الجديد ادماج بون فوالا ماهيش واضحه لا فيجن لو فيجن ماهيش واضحه وانا جي سي لا سومين بروشين اللي انا معناتها نحاول معناتها لي زيكزارسيس يكونوا ا بارتير دو موديول 5 وفي من الموديول 8 فوالا ميسالش اذا الصغار ما وصلوش الموديول 8 دونك تكون فرصه باش هما يتعرفوا معناتها اش في الموديول 8 انا في موديول 8 مدام في الموديول 5
عطا دو موديل دو موديل في واحد قاعدين يقرا سانك ولا عادي انا نقرا تو في الدكتور Docteur, d'accord. Ok. Mais tu sais, c'était la première séance, donc j'ai voulu bien dire la même révision. Le kit mizgar smel alayhom معناتها vraiment yati msaha. Donc rythme ça sera plus accéléré la semaine prochaine, d'accord? D'accord, inchallah, yati ksaha mada. Voilà, yati ksaha. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit. Au revoir. Bonne nuit. Au revoir.